dit que la curiosité était un vilain défaut. Un idiot, sans doute. Moi, Alice, je proclame que la curiosité est le sel de la vie. L'essentiel, l'oxygène, le poumon, le cœur et les intestins réunis. Vous ne croyez quand même pas que j'ai passé l'après-midi allongée sur l'herbe à contempler les pâquerettes et les petits oiseaux. Et ma sœur qui plongeait dans son livre. Quel ennui! Moi, je veux de l'aventure, de la vraie! Et je suivrai le prochain être vivant qui se présentera devant moi. Allez, je compte jusqu'à 3. 1. 2. 2,5. 2¾. Oh ! Tiens, tiens ! Un lapin blanc ! Mais il porte un gilet ! Oh ! Il regarde l'heure ! Et quoi ? On dirait qu'il parle ! Que dit-il ? Que dit-il, approchons ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Ce lapin a l'air bien agité. Mais le voilà qui saute dans un terrier. Un lapin qui lit l'heure en criant « Oh mon Dieu !» Oh, si c'est pas d'aventure, ça. Suivons-le.